Bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur Subnautica. J'ai juste à reculer et normalement je suis aligné comme il faut. Et on va aller donc miner tout ça, tout ça. T'es où? Voilà, c'est bon. Parfait. Alors, on doit aller chercher du rubis. Et on doit aller chercher également du minerai de cuivre. Donc c'est parti. On va en balade. Il est où le minerai de cuivre? Ah non, il y a, ah, genre, il y a du minerai de cuivre comme ça. Ah bon bah d'accord. Oh bah ok. Bon bah on est bon, on a notre. Mais il y en a aussi derrière, mais what? Mais what? Bon bah écoutez, on va récupérer ça, hein. On va aller récupérer ça. Je pensais pas qu'il y avait du minerai comme ça qui traînait. Je pensais que c'était les gros blocs de minerai qu'il fallait miner, mais en fait non. Ah, puis il y a du titane aussi. Ok. Mais what? Mais what? Mais très bien. Très bien. Bah écoutez, je prends, si c'est si gentiment offert, je prends. Allez, on va récupérer par là-bas. Je pensais qu'elle allait avoir besoin de les miner, mais en fait non. Du coup, vous parlez de bouffe maintenant? Vous savez, j'ai faim. Quand même, hein. C'est pas gentil. Et je sais même pas ce que je vais manger ce midi en plus. Est-ce que je vais manger ce midi déjà? Ça, c'est la grande question. Mais j'ai pas déjeuné ce matin, donc pas déjeuner et pas manger ce midi, ça va être chaud quand même. J'avoue que j'ai un petit creux. Bonjour le requin. Hop hop. Il est parti, Jackie? Ah non. Non, il était trop loin. Bon, écoutez, je sors, ça passe. Je sais pas où il est parti, mais on va dire qu'il est loin. Puis là, comme ça, je vais pouvoir explorer ça. Ah. On retourne là-dedans. Un truc qui te manque en tant qu'expatrié. Tiens, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque en tant qu'expat? Parce que moi, je sais que par exemple, mes parents, ils vivent en Guadeloupe. Du coup, ça peut leur arriver de d'avoir des petits manques par rapport à des produits que normalement on trouve un peu que en France, on va dire. Parce que c'est vraiment pas du tout la même chose qu'ils mangent. Mais en soi, ils arrivent à se fournir assez facilement en tout. En fait, il suffit de mettre le prix et tu peux accéder à de la très bonne viande, à du fromage, tout ça. Mais c'est juste que du coup, bah, il faut y mettre le prix cette fois-là, quoi. C'est pas le truc que tu vas te payer forcément tous les jours, de ce que j'ai compris. Mais en soi, ça va, ça reste plutôt facile d'accès pour la plupart des choses. Hop. Je crois que par contre, ma sœur, à une époque, elle a vécu en Thaïlande. En Thaïlande, c'était plus galère. En Thaïlande, elle était un peu plus en galère. Pour le coup, il me semble que quand elle rentrait en France, elle était vachement plus heureuse parce qu'elle pouvait bouffer plein de trucs qu'elle ne pouvait pas bouffer sinon. Mais c'était spécifique à la Thaïlande. Maintenant, elle vit elle aussi en Guadeloupe, parce qu'elle vit avec, enfin, pas très loin de mes parents. Oh, tu venais, il venait m'apporter quelque chose, petit bout. Tu voulais me faire un cadeau? Non? C'est ça, tu veux plus? Je t'ai saoulé. Merci. Ah mais tu ramènes plein de trucs. Vous êtes mignons. Vous êtes mignons. Ils sont trop mignons. Mais non, c'est pas là que je voulais cliquer. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Des boucheries, il n'y en a pas trop en Pologne? Normalement, il y a du rubis par là.
à ce niveau-là. Il me semble. Putain, mais je fais top top surtout, hein. C'est un enfer. Je me mange, mais toutes les plantes, et les plantes qui sont, mais en acier, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je voudrais juste un morceau de rubis, quoi. Donnez-moi un petit rubis. S'il vous plaît, un petit rubis. C'est tout ce que je demande. Tiens, je peux passer là-dedans, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais en vrai, il y en a plein des minerais de... C'est ouf ça. Non, ça c'est l'aquarium. Ça, je sais pas par contre. On va regarder. Il n'y a rien digne de ce nom. Ah, c'est triste. Module aquarium. Module aquarium, non. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Bon, bah écoutez, il nous manque que le rubis. Il nous manque que le rubis. Et du coup, on va un peu rentrer vers la base. Est-ce qu'il y a un truc que je peux consommer, genre une bouteille d'eau? Ouais, tac, ça me fait un emplacement. Je vais essayer de choper un rubis quand même, hein. Je vais essayer de choper un rubis. Alors, on se rapproche de la base et normalement, voilà, on va avoir un accès un peu vers les profondeurs. Et au fond, je sais qu'il y a des rubis. Sûr et certain, au fond, il y a des rubis. Il m'en faut qu'un. Il ne m'en faut qu'un seul. Allez, donne-moi un rubis. Juste un. Celui qui me répond bridou, je le juge. Je vous préviens. Allez, juste un seul. Un petit rubis. Pas bien, il y en a un. Ah bah oui, forcément, là, du coup, vous vous lâchez, hein. En fait, il faut vous prendre à revers, hein, pour que vous fassiez pas des choses, hein. Oh là là. Vert. Oui. Ok. Alors, normalement, j'ai vu des rubis par ici. C'était ici ou c'était dans la zone au-dessus? C'était peut-être dans la zone au-dessus, non? Non, voilà, je savais bien que j'en avais vu. Je savais bien que j'en avais vu. Voilà. C'est bon. On peut remonter. Hop là. Et c'est reparti. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, et ben on s'est mis plutôt bien, dis donc. On s'est mis plutôt bien. Ruby AI 203. Très précieuse, dure et conductrice, composée d'oxyde d'aluminium. Tu aimes beaucoup la géologie? C'est ça? J'avoue que moi je m'y connais très peu en géologie en vrai. Vraiment très très peu. Oh les gros requins. Je sais pas que c'était conducteur le rubis. Ah j'avoue que j'y connais vraiment. Cud. Mais genre vraiment bien. Ah, ou le wiki Subnautica. Oui, c'est bien aussi. C'est vrai. Bonjour. Welcome aboard, Captain. Bonjour, bonjour, merci. C'est sympa par ici. J'aime bien la déco. Faut qu'on refasse tout, hein. De toute façon, la base, en vrai, je pense que celle-là, je vais la déplacer. Soit je vais la déplacer, soit je vais vraiment changer le schéma de construction. Parce qu'elle ne me convient plus. Elle ne me convient plus. J'ai oublié de désactiver le truc dans le fond. C'est pas grave. Je le ferai après. Voilà, parfait. Paf. Et on va pouvoir se crafter la combinaison. À la distille. Je ne sais pas du tout à quel point c'est bien. Mais sur le papier, ça a l'air bien. Et du coup, ça mène équipe automatiquement, récupère l'humidité du corps et fournit de l'eau propre et potable. That's good. Good, good. Parfait. Allez, on dépose tout ça. Et maintenant, on va faire une session récupération de plans. Ça commence à me saouler de ne pas avoir débloqué les différents composants du Sea Truck. Donc, on vient dire bisous, mais non.
Et là, on va regarder un peu ce qu'il y a. Bon, il n'y a rien de spécifiquement incroyable. Fragments, c'est bien. Donc, on va partir sur les fragments. Et on va aller chercher les fragments. On va aller chercher les fragments. À l'aide, la documentation, boulot est claqué. Ça me dit que c'est censé faire des trucs que ça fait pas. Et du coup, il est l'heure. Ah oui, il est midi et demi. Enfin, presque midi et demi. Du coup, je présume que tu vas aller miam miam. Du coup, je te souhaite un bon miam miam. Merci d'avoir été là. J'espère. Enfin, je pars du principe que oui, tu as passé un bon moment en notre compagnie. Passe une très bonne journée. J'ai pas pris à boire et à manger. Attends, le jeu. J'ai oublié. J'ai oublié de prendre à boire et à manger. Ah! Bon appétit, à tout à l'heure, je re après, y a pas de souci. Bon appétit à toi. J'ai complètement oublié de récupérer à boire et à manger. Or, c'est important. C'est quoi déjà le repas? C'est 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et l'eau, bah, c'est pas ici. Bonjour. 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 Voilà. Hop, 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 hop. Est-ce que vous voulez du sel? Non, on ne joue pas à League of Legends. Voilà, on vient ici, on vient ici, on vient ici. Et on fait des salades de fruits. Parfait. Comme ça, on sera bien préparé pour une bonne petite expédition. J'ai complètement oublié d'enlever le craft qui était enregistré en haut à gauche, à droite. Donc on va l'enlever parce que ça pollue un petit peu l'interface quand même, cette saleté. Le reste, on n'en a pas besoin. Perfect. On baisse en courant. Je vais en déposer un petit peu parce qu'on n'a pas du tout besoin d'autant. Prendre 3 bouteilles. Voilà, parfait. D'ailleurs, ici, ça se passe comment? Ah, ça, c'est pendant longtemps, en plus. Ah, ok, ok. Ça tient pas mal de temps, tout ça. Les réacteurs nucléaires et les réacteurs bio, ils tiennent bien. Ils tiennent vraiment, vraiment bien. C'est assez cool, ça. Bon, on va chercher les fragments. Alors, probablement qu'on va récupérer des fragments qu'on avait déjà. Oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, bah écoutez, au bout d'un moment, on finira bien par avoir les fragments qu'on n'a pas encore débloqués. N'est-ce pas? Et notamment pour du coup le Sea Truck, ça serait fort bien. Ça serait fort bien. Genre ça, je crois qu'on l'a déjà. Réacteur thermique de l'exosquelette. Ouais, ça on l'a déjà. On l'a déjà. Oh, mais il y a tellement de fragments dans la zone. Mais lol. Mais quel enfer. Mais il y en a genre 36 000. Mais il y en a genre 36 000 quoi. Bon bah on va quand même... voilà. Hein. Bah encore le même. Oh merci, t'es mimi. Mais moi il me file des trucs à chaque fois, hein, sans déconner. Hein. J'aime bien les gens qui disent oui, les singes ils sont relous. Ils sont tout le temps en train de te casser les trucs, de voler avec. Mais moi, ils sont super sympas, ils sont trop choupis. Ils me filent des trucs à chaque fois. C'est genre, oh tiens, un cadeau. Tiens, en fait, est-ce que tu veux pas un cadeau? Tiens, un autre cadeau. Fragment de réservoir à ultra haute capacité, mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Je crois que c'est encore au-dessus de ce que j'ai... Je cherche à débloquer celui juste après, mais bon, bref. Force de prendre les fragments, on finira bien par le débloquer, n'est-ce pas? Tiens, d'ailleurs, il y a un fragment au niveau de cette base-là. Où est-ce que je suis en train de partir, moi? Où est-ce que je suis en train de partir? Vers la zone de cristal. Oui, mais oui, bien sûr, qu'est-ce que j'aime ça? Cette putain de zone de cristal.
C'est vachement cool, hein, n'empêche, les racines et tout, c'est cool. C'est sympa, ça donne envie. Ouais, la zone de cristal juste en dessous. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Non, non, non. Ça manque de Léviathan. Non. 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 Vous aimez bien quand je flippe ma mère, hein? En vrai, ça vous fait kiffer, hein? C'est pas cool, hein? C'est pas très très cool. Bon, il y a des fragments au-dessus. Il y a un fragment là, quelque part derrière, mais je sais pas où. C'est un peu dur de se repérer en fait. Dedans, là, c'est un espèce d'entrelacs de caverne. C'est un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Et salut, me revoilà. Et heureux. Heureux, heureux. On cherche des fragments là actuellement pour essayer de débloquer les différents morceaux du C-Truck. Parce qu'il me manque encore plusieurs composants. C'est un petit peu agaçant. Et que ça me plairait bien de tout avoir. Mais là, on a déjà débloqué les choses, c'est parfait. Je ne sais pas trop vers où je vais, mais j'y vais. J'y vais fièrement, hein. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais fièrement. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, on y va. Hein. Tu me donnes envie de stream. Bah, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi, écoute, si ça t'apporte du bien de stream, fais-le, fais-le. Éclate-toi. C'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Bah, je vais devoir partir. Ah bah oui, par contre, tu vas devoir partir. Ça c'est sûr que ça va... Ça va être compliqué de faire plusieurs choses en même temps. Ça je confirme. Oui. Mais je streamerai ce soir, je pense. Ok. C'est quoi le fragment que je suis censé... Moi je veux bien, hein, mais... Jackie? Hein? Hein? Ah, ah, ah. Ça fait ponk ponk. Bonjour. Tu considères que c'est des fragments, mais je ne peux pas les scanner. C'est pas très très gentil, ça. Ça c'est une feinte pas très... Pas très Charlie là, je trouve ça pas cool. Je trouve ça pas cool. Je fais une pause sur ma carte parce que je commence à être rigueur et que j'avais besoin de dessiner d'autres trucs. Ok. Du coup, tu dessines quoi? Tu nous fais quoi de beau? Alors ça, c'est les morceaux... C'est les morceaux de l'aquatracteur aquarium, mais au moins ils seront plus là. Puis ça fait des ressources, on a toujours besoin de ressources. Surtout si on part sur le fait de faire plusieurs bases et tout, on va avoir besoin à mort de titane. Donc en vrai, on est pas mal plein. Oh, on est pas mal plein. Eau récupérée. Oh ! Du coup, ça nous a donné de l'eau. Ok. C'est toujours ta cape qui te pose problème. Je fais du tradi. Je fais une aquarelle Link. Des études au crayon, etc. D'accord. Ok. On va aller voir le fragment qui est là-bas. On va balader, on va essayer de trouver... Bah tiens, c'est quoi ça? C'est le fragment. C'est le fragment. Toujours l'aquarium. Ah, oh, l'aquarium, décidément. Il a très très envie que je chope l'aquarium. Hein. C'est oufissime, hein. C'est genre, le jeu il me dit, tu veux pas faire l'aquarium? Eh, dis, tu veux pas faire l'aquarium? Est-ce que t'as déjà pensé à faire l'aquarium? Moi je suis en mode, mais arrête, tu me saoules. T'as fait l'aquarium? Encore? Mais t'es sérieux? Mais ça suffit. Mais je suis plein de titane à force. Faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas possible là. C'est infernal. C'est infernal. Du coup, il y a plein de morceaux qui sont dedans, c'est ça?
J'ai raté des morceaux de trucs dedans. Ouais, très clairement, ouais. Hein. Très clairement, ouais. On va aller voir. Hein. On va aller voir. On va aller voir. On va aller voir. Hop là, on vient par ici. Bonjour, il paraît que j'ai raté quelque chose. Salut, salut. Alors, voilà, on va voir, voyons voir. Non, c'est pas du tout le bon endroit. Enfer et damnation. Enfer et damnation, c'est pas du tout le bon endroit. Ce n'est pas du tout le bon endroit. C'est un échec. C'est un échec. On va venir respirer un coup. Bonjour. Là, merci. C'est plus par là. Il y a un fragment d'un truc que j'ai raté. Il y a un fragment d'un truc que j'ai raté. Et dans la salle principale en plus. Ah! Ah, il y avait un truc juste là, mais je ne t'avais pas vu. Bon, le processeur parallèle, on l'a déjà, donc ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Mais écoutez, ça fera ça disparaître. Voilà. Au début du Subnautica, t'avais juste ce qu'il fallait. Hop là. Pour chaque truc, ou deux ou trois, et maintenant t'en as 50 de chaque. J'avoue que il y en a un peu trop. Il y en a un petit peu trop. Je trouve qu'ils ont, ils ont un peu abusé sur la quantité de débris, quoi. Genre, c'est. C'est quand même grave violent. On a vraiment pas besoin d'autant. On a vraiment, vraiment pas besoin d'autant. Et puis, t'avais un intérêt aussi, du coup. Ça te poussait à faire de la recherche. T'étais obligé de faire de l'exploration parce que justement, tu n'avais pas 50 000 trucs de fragments qui traînaient à chaque coin de rue. Là, tu te balades 30 secondes et tu tombes sur un fragment. Le problème, c'est qu'il y a tellement de fragments que bah, tu vas te remplir de titane à la con, vraiment à la con, et que ça ne te servait à rien et que ça va juste te saouler en fait. Genre ça, c'est un morceau de la quadracteur, je parie. Parce qu'il y a les moteurs sur les côtés. Amélioration de post-combustion. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce qu'il me semble que je l'avais pas encore. Il me semble que je l'avais pas encore. Donc ça c'est très bien. Mais ouais non, ça devient très vite très relou en fait de passer ton temps à devoir récupérer énormément de saleté, de titane sur les différents trucs que t'as pété quoi. Et vraiment c'est relou. Je trouve que pour le coup c'est plus relou qu'autre chose. T'es où toi le fragment là? Tu es où? Tu es dans le biome d'à côté. C'est un fragment de quoi? C'est un fragment de quoi? Mais t'es où? Il est où ce fragment? Mais il est vachement profond. Ici. Eh ben, bonjour Joker, comment vas-tu? Ça va, écoute, je fais la peur des profondeurs, mais tout va bien, on l'avait déjà, évidemment. Évidemment, évidemment, on l'avait déjà. Ça me fait chier. Mais sinon, tout va bien, tout va bien, tout va très très bien. Alors hier on m'a dit attention, tu peux rentrer. Putain, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Bon, en même temps, je me doutais que c'était vrai, hein, mais... Oh là là, c'est vrai. On peut rentrer là-dedans. Et du coup, on peut récupérer ça. Ah, inventaire plein, ça ne sert à rien. Ah, bonjour. Ah, mais t'es là, toi? Eh, c'est un Léviathan. Salut. Comment ça va?
Par contre, je vais manquer d'air. Tu donnes de l'air ou pas? Non. Bon. Voilà. C'est pas tout à fait un petit poisson. Je veux sortir, laissez-moi sortir. Donc on a vu qu'il y avait le Léviathan juste à côté, on va pas faire les cons, hein. On va pas faire les cons. T'es où, Jackie? C'est le plus gentil des Léviathans, il est passif, joli, il te protège. Lui, non. Non, non, ça c'est un Léviathan aussi, hein. Le gros poisson, là, ça, c'est un Léviathan, hein. Et il n'est pas vraiment ce que je qualifierais de gentil Léviathan. Pas tout à fait. Bonjour, hein. C'est sympa. On va se casser par le bas, hein. On va se casser par le bas. Voilà, puis on va remonter tout doucement, mais vers là-bas, hein. C'était sympa, hein, mais des bisous, hein. Allez. 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 Et tu es protégé dans un Léviathan par un Léviathan, ouais. Fais ta base dedans. Mais c'est compliqué quand même. Il y a relativement peu de place, hein. Il y a relativement peu de place, hein. Ça va être chaud, hein. En vrai, j'y ai pensé, hein. Je me suis fait la réflexion que ça serait cool, hein. Mais ça va être chaud, 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 hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Tu fais quand même ta base dedans. Bah, ouais, il faut que ça soit possible. Que ça soit possible. Soyez réaliste, monsieur. Soyez réaliste. Mortag découvre chaque jour une nouvelle raison de détester les profondeurs. Ah. Attendez. Voilà. C'est vrai qu'on récupère de l'eau de temps en temps. On va aller déposer un peu tout le titane qu'on a. Je les entends, ça me fait flipper, sa mère. Ça me fait flipper, sa mère. Vous savez quoi? On voulait faire une base à différents endroits. Donc à la limite, vu que j'ai beaucoup de titane, on va commencer à construire une base. Non, là, je suis pas du tout là où je voulais. Je ne suis pas du tout là où je voulais. C'est pas du tout là où je voulais aller. J'ai envie de retourner là où il y a Marguerite. Dans la zone de cristal, en fait. Oh! On se calme? À l'entrée de la zone de cristal et y mettre une base. C'est par où? C'est là. Donc on va y aller. Et on va faire un début de base là-dedans. Comme ça, ça épuisera un petit peu tout ce stock. Qu'on a en très trop grande quantité. Et qui ne me sert à rien. Tiens! Un fragment de quelque chose. Post-combustion, ça va ne me servir à rien. Et voilà, ça dépose ici comme un caca des trucs. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, par où je passe? Par là, c'est bon, non? Je crois que oui, hein. Non, je vais ressortir. Quoique. Non, si, je suis dans la bonne direction, je suis dans la bonne direction. Fais des os à Léviathan, tu les enfermes derrière des vitres. Je ne suis pas sûr que ça marche. Hop, hop. Ah non, c'est ce beacon-là. Merde, je croyais que c'était celui de Marguerite. La base de Marguerite est à gauche. Mais du coup, si j'essaie de passer par là, ça va pas passer. Ça va pas passer. Ah non. Après, il y a un truc alien ici, donc en fait, on peut faire d'un point de vue roleplay une base ici en mode. Il y a quand même un bastion, tout ça, tout ça. D'ailleurs, tiens, il a pas fait rip-hop de. Normalement, de temps en temps, il fait rip-hop des petits blocs. Là, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pop, pop, pop. Tout ça, est-ce que ça produit de l'énergie géothermale? 30. Non. Est-ce qu'il y a des fumerolles qui traînent? Pas vraiment. Parce qu'en fait, les moteurs géothermales, je les aime bien. Géothermaux d'ailleurs.
Je les aime bien, mais il faut qu'il y ait de la chaleur à côté pour qu'ils produisent de l'énergie. Et là, j'en vois pas spécialement. On a un truc à éclater au moment où on est passé, je crois, en vrai. Est-ce que par là, peut-être un peu plus? Et là, en m'enfonçant, je vais arriver dans la zone de cristal, hein. On est... Ouais, je vais dire, attends, il manque pas un truc? Mais oui, carrément. Carrément. Et là, on va arriver dans la zone de cristal. Et la température baisse. L'empire est à 21, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Non, mais après on peut l'alimenter autrement, hein. On va en fait l'alimenter autrement. On va l'alimenter autrement. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des fumerolles en fait dans le coin. J'aurais bien aimé qu'il y ait des fumerolles dans le coin parce que ça fait de la température tout simplement, hein. Or, il n'y en a vraiment pas. Et 30, il me semble que c'est assez bas, hein. Il me semble que c'est assez bas, 30. Mais du coup, on l'alimentera différemment la base. On trouvera un truc, mais... On trouvera un truc. Mais du coup, est-ce que si on installe une base ici, c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non, ici? Une petite base, juste à côté du truc alien. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Les gens, si vous pouvez me répondre, ce serait adorable. L'idée, c'est vraiment de faire un avant-poste, hein, pour le coup. On va placer 2-3 trucs, mais ça sera vraiment du basique. Non, pas dans la caverne de cristaux, non, non, non. Ça n'arrivera pas à la caverne de cristaux, non. Non, non, non. Alors. Oui, non, moi je le bloque, c'est évident. Voilà, comme ça. Ah, il faut du lingot de plasticier. Ah. Et donc on est d'accord que du coup là tu te connectes pas parce que j'ai pas de lingot de plasticier, parce que je suis interdos. Né. Moi, j'avais dit en profondeur. Genre 999 mètres de profondeur. Alors en vrai, s'il y a une zone à une telle profondeur, moi je suis chaud pour faire des bases partout, hein. Donc je peux. Bah après en vrai il y aura un truc de base. Il y a le beacon qui est juste à côté. Ouais, à 230 mètres, on le retrouvera. On va aller faire du lingot de plasticier. C'est pour ça que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir le C-Truck de... Comment ça s'appelle? De craft, ces classes, ça aurait été super utile. Et c'est assez infernal que je l'ai pas débloqué. Et que je ne sache pas où il est. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ce truc me rend fou. Parce que là, ça aurait été vraiment, vraiment bien, en fait. Ça aurait été vraiment, vraiment bien. Ça aurait été pratique. Je sais plus comment est-ce qu'on fait le plastacier par contre. On va voir à la base. Je me souviens qu'il faut forcément du titane. Qu'on fait des lingots de titane. Et ensuite, les lingots de titane, on en fait les lingots de plastacier. Mais je sais plus avec quoi. Je sais plus avec quoi. On va voir, hein, parce que ça va pas être très compliqué. Mais j'avoue que là, j'ai plus en tête le craft. J'ai plus du tout en tête le craft. Mais on va se faire un truc sympatoche, vous allez voir. Et ici, à terme, cette base-là, elle va disparaître, hein. Ça, là, à terme, elle me convient plus. Elle ne me convient plus, donc on la fera totalement disparaître. La base Logan va disparaître. Voilà. D'ailleurs, peut-être que du coup, on appellera la base Logan à côté du Léviathan. Alors, attendez. La base Logan. Il faut que ça soit logique par rapport au fait que je l'appelle la base Logan. D'accord? Je suis un joueur roleplay, donc c'est important. Qu'est-ce que m'inspire Logan? À part le fait que c'est quelqu'un que je trouve vraiment cool, qui me fait vraiment délirer sur ses streams. Quand je le regarde streamer, il fait toujours des défis où il dérouille la gueule à des boss au couteau.
genre tout le temps. Genre il joue à Subnautica, son kiff c'est d'aller choper un Léviathan et de le buter au couteau. Il joue à Resident Evil, son but c'est de faire tout le jeu au couteau. Quand il peut, il tryhard un peu de ouf. Il a énormément joué Alien et il aime bien tryhard un petit peu Alien. Il aime bien un peu défoncer les aliens. Il aime bien tuer des trucs. Il aime bien la difficulté. Je crois qu'en plus, la première fois. Alors non, la toute première fois que je l'ai vu jouer, c'est quand il avait été raid par Crane et il jouait à un jeu d'horreur. Et je crois qu'il mettait des coups de couteau encore une fois d'ailleurs, tiens. Je me demande s'il mettait pas des coups de couteau. Bref. Et depuis, quand j'ai commencé à le regarder un peu plus activement, il faisait beaucoup de Dark Souls. Il était parti sur le fait de refaire les Dark Souls. Et du coup, je le voyais galérer sur Dark Souls, faire de très jolies roulades, certes, mais quand même galérer un petit peu. Donc c'est quand même quelqu'un qui, dans ma tête, est un gros tryharder. Donc. Et qui aime bien tuer des gros boss. Un petit problème avec les couteaux, le monsieur, non? Mais non, 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 c'est pas un problème. En vrai, il aime beaucoup la difficulté et il est bon. Enfin, il faut l'accepter, il est bon. Il fait des trucs que je serais jamais capable de faire. Hein. Et il aime bien aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Donc, quand il a dit on va faire une run au couteau, il fait une run au couteau et il défonce tout le monde au couteau. Et généralement, il choisit le truc le plus faiblard de tout l'arsenal qu'il a. Parce que c'est comme ça que c'est fort. Et il aime les couteaux, peut-être, accessoirement. Mais du coup, il faut un endroit où c'est chaud patate. C'est ça que je voulais dire, surtout. Je vais mettre la base Logan dans un endroit. Ou genre c'est intense, du genre oh un Léviathan. Et en vrai, j'ai vu que la zone. Ah bah je sais. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu sais? Au fond des cavernes de cristal. On verra quand on ira aux cavernes de cristal. Mais en vrai, je me dis au niveau de la méduse. Au niveau de la méduse, alors déjà je pense mettre une base parce que c'est joli, premier point. Je pense mettre une base parce qu'il y aura de quoi faire de l'énergie géothermale vu qu'il y a des fumerolles partout. Donc l'énergie géothermale ça va être parfait. Et il y a un connard de gros Léviathan qui balade autour. On l'a vu quand on était dans l'autre Léviathan passif. Donc je me dis en vrai, est-ce que la base Logan on la met pas dans la grosse zone. La grosse zone un peu. Ou un peu, c'est un peu du challenge quoi, tu sors de ton C-Truck, tu tombes nez à nez avec lui quoi, donc je me dis, est-ce que c'est pas le lolilol drôle, bonne idée Genre, oh, un voisin! Oh, quelle joie! Mais je me dis que ça peut être un bon moyen de lui faire honneur quand même, d'avoir une base un petit peu en plein milieu de la zone hostile quoi, tu vois, genre chou patate. Genre chou patate. Les fragments, tu me saoules, donc de toute façon, voilà. Donc ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut être... Offre-lui des cookies, ça marche toujours. J'ai un doute. J'ai un doute certain. J'ai débloqué quoi? L'amélioration de poste de combustion de l'aquatracteur. Ok. Alors, lingot de titane. Lingots de titane. Il en faudrait deux dans le voisinage des Léviathans. De quoi? Deux cookies? Ouais, le cookie c'est lui, ouais, c'est plus ça dans sa tête à mon avis. Faut offrir deux cookies au Léviathan, c'est ça? Ou j'ai pas compris la vanne? Et pour l'autre, la base qu'on est en train de faire, je pense qu'on va lui donner un nom. On est juste à l'entrée de la zone de cristal. Et il y a quelqu'un qui insiste fortement pour que j'aille dans la zone de cristal et que j'y fasse une base. Donc je pense qu'on va l'appeler la base tendue. Pour que la zone soit intense. Non. Un, ça suffit. Moi, un titan, ça me suffit déjà. Hein, calmez-vous. 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 Alors attends. Ça, il me faut ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, il me faudrait du verre. Oh, le verre émaillé, mais quel enfer. Non, mais en vrai, je vais faire des trucs en verre. Plaque de verre, c'est bien. Lithium, titane. Ok.
Ouais, j'ai un de quartz. Je suis heureux. Ah, là c'est mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux. Ça, je peux m'en débarrasser. J'en ai point besoin. Ok. Ici. Ça, c'est vite. Tiens. Bah, où est-ce que je l'ai mis de lithium? Là, il y en a un. Mais c'est tout? Mais non. On a déjà plus de lithium, mais tu te fous de ma gueule, le jeu. Mais non, mais arrêtez de vouloir faire spawn des trucs horribles. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Pourquoi? Je suis gentil! Je suis gentil! Faut pas faire ça! Ça, il me faut des lingots de titane lubrifiants. Un lingot de titane, il m'en faut deux. Hop là, lingot de titane. Ensuite, le lubrifiant et du plomb. Lubrifiant. Et du plomb, je vais en avoir qu'un seul. Tu te fous de moi, le jeu. Je pense que ce jeu est un jeu de troll. Je pense qu'il y a un mec qui a développé ce jeu en sachant pertinemment qu'il allait me troll comme ça. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Mais quel foutu enfer. Bon bah écoutez, on va faire ça. Hein. Voilà. C'est une commande qui fonctionne en plus. Mais non. Mais jamais ça va arriver. Mais jamais ça ne va arriver. Je vous le dis, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Ça n'arrivera pas. Tu veux bien me laisser rentrer dans mon... Voilà, merci. Ça n'arrivera pas. Je ne vais pas me faire du mal comme ça. Non, non. Écoutez, si vous avez des problèmes de masochisme, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est entre vous. Hein. Ça sera sans moi. Ok? Pas de souci que vous fassiez du mal entre vous. Je ne juge pas, bien au contraire. Mais là, non. Là, non. Déjà que je flippe sa merde d'être dans les profondeurs, que je vais être en voisin avec des léviathans, non, 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 ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Mais non. Allez. Les léviathans, c'est mignon comme tout. Non. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, ça demandait beaucoup de réflexion, hein, mais non. Attends, est-ce qu'il n'y a pas de quoi récupérer du lithium ici, du coup? C'est une zone à lithium, ici. Je sais qu'il y a du lithium là-dedans. Lithium, montre-toi. Lithium. Non, ça c'est... Ah, si! Il y a du lithium juste à côté. Hop là. Lithium. Lithium. Petit 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 petit. Lithium. Ah tiens, il y en a. De cette plante là. Lithium. Hop là, top. Ah, inventaire plein. Bon, voilà, c'était rapide. C'était cool. C'était cool. Et maintenant, on peut descendre. YOLO! Mignon, aussi mignon qu'un bébé zombie qui te bouffe l'arrière-train. Oui, oui, je suis assez d'accord. Le chat qui se dit encore un nouveau prénom. Mais non, mais non. Mais non. Graou, graou. Oui, mais non. On ne veut pas. On ne veut pas se faire bouffer le cul. Enfin, moi, là, tout de suite, là, non. Là, je suis désolé, mais non. Il y a des moments où pourquoi pas, hein, mais là, non. Là, non. Et du coup, je vais être bloqué par cette saleté. T'es sérieux? Qu'est-ce qui me bloque ici? Pourquoi il veut pas?
Pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu me saoules? Y a rien. Je pense que je suis quand même trop près. Je pense que je suis quand même trop près. Bon bah écoutez, on va faire ça comme ça, on va mettre un coude. 30 seconds of oxygen remaining. Oui. T'inquiète, 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 ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Non, salle 2, scanner. Et là, tu ne veux pas à nouveau parce que tu es un emmerdeur. Tu es un emmerdeur, Harry. C'est un emmerdeur, Harry. Faut faire la structure principale plus haute. Ouais, je pense. Je pense que malheureusement, c'est ce vers quoi on va devoir se diriger. Voilà, merci. Hop là. D'ailleurs, on va faire du coup l'inverse. Salle du scanner. D'ailleurs. Voilà. On va venir la poser. Elle en prums. Ah oui, mais du coup, comme j'ai pas tout, ça va bloquer, non? Ça va bloquer. Parce que je l'ai pas fini. Vaut mieux pas faire l'inverse, mais bon. Oui, je vais respirer, ça va, ça va, ça va, ça va. Après, en vrai, je me mets de ce côté-là, mais est-ce que j'aurais pas plus de place ici? Si. J'aurais plus de place de ce côté-là. Donc, on va venir dire la grande salle ici. Voilà, tac. Là, ça va. C'est assez haut. C'est assez haut pour toi, le jeu. C'est trop haut. Ah, ce jeu de l'enfer. Ce jeu qui te dit. Ouais, franchement, là, c'est un peu haut. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Non, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée, mais là. Ah non. Non, c'est pas foufou. On va venir respirer. Faut que je fasse une salle pour le. Et oui. Il faut que je fasse une salle pour venir dans le. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, j'ai récupéré de l'eau! Pour pouvoir récupérer le petit bateau. La question étant ouf. Ouf. Et en vrai, ici, c'est pas si mal. Alors, c'est pas si mal, sauf qu'on est là où il y a ça qui se déclenche de temps en temps. C'est con. Roleplay parlant, c'est peut-être pas foufou. C'est peut-être pas foufou. Ah, tu passeras pas? Oh, si, je pense qu'il passe. Mais c'est juste que t'as les geysers quoi. Et les geysers ne sont pas ce que je trouve le plus logique pour venir les poser. Après, par contre, on peut faire ça différemment. On peut faire ça différemment. Dans le sens où on peut venir faire, à mon avis. Hop. Voilà, je viens poser ça. Tac. Je viens poser. Le tube. Ah, il me faut quoi? Du titane? T'as plus de titane, espèce de sac à merde? Non mais t'es sérieux? T'avais que du titane. Toute ta vie, t'avais que du titane. Mais si j'essaie de le poser par-dessus ici, ça devrait passer. Bon, du coup, on viendra être au-dessus de ça, mais en vrai... En vrai, Osef? En vrai, Osef? Je pense que ça passe, hein. Je pense que ça quand même. Ça a bloqué avec le plafond. Oh. Ah putain, oui, t'as ça qui est là. Ça, t'as lui qui décale un petit peu. Après, est-ce que la grande salle est aussi grande que le bassin? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, allez, je vais sociabiliser. Eh ben, des bisous. Sociabilise bien. Et merci d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, bah, très bientôt.
Je sociabilise avec mon chat. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais du coup, ouais, j'avoue que je me pose la question de comment est-ce qu'on le fait. Après, ce qu'on peut faire aussi, on fait le bassin ici d'amarrage, là. Tac. Par ici, on vient mettre un coude qui redirige vers ici sur la grande salle. Et plus loin, on met les deux salles, scanner et tout. C'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est possible aussi. On va tester. Nous allons tester. Elle est pas immense, hein. Ah oui, d'accord, la zone d'exclusion est assez grande, par contre. La zone d'exclusion est assez grande. Oh, il y a moyen que ça passe, hein. En vrai, il y a moyen que ça passe, hein. Oh, il y a moyen que ça passe, hein. Bon, là, forcément, non. Mais, elle est pas si grande que ça, hein. Elle est pas si grande que ça. Et même là, en vrai, du coup, bah non, lui, il fait chier, mais... Oxygen. Oui, 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 pardon. 31 mètres? Ah. 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 Non, mais non. Ça passe! Tu peux mettre deux coudes, c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. Mais on se retrouve sous le geyser. Mais c'est un petit geyser, donc ça me dérange moins. Ça me dérange moins. Mais pour le coup, c'est exactement ce que j'avais en tête. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Hop là. Tac. Et là, on vient mettre... On vient mettre ça ici. Et franchement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Toi, t'as le geyser qui est là, mais qui est un peu décalé. Qui va remonter jusqu'à où? Et qui remonte un petit peu quand même au-dessus. Hein. Ça me chafouine. Après, on peut faire l'inverse. Ah, après, on peut faire l'inverse. On peut faire l'inverse. Plutôt que... Respire. Respire, mon garçon. Respire. Voilà. Très bien. Plutôt que mettre ici ça. Voilà. Merci. Ça, ça. Voilà, merci. Toi, c'est la salle du scanner. Je viens t'enlever. Et je viens essayer de mettre ça ici. Non, parce que toi, tu gênes. Ok. Et ici, peut-être. Et ici, je peux. Et ici, je peux. Ça n'abuse pas. Très bien. Ici, on peut venir mettre la salle de contrôle. On vient prendre un petit peu respiration. Hop là. Ah, on va bien. Ah, on a bien respiré. On ressort. Et après, on vient mettre du coup la salle de scanner qui sera là. Et là, on est nickel. Là, on est nickel. On n'est même pas spécialement dedans. Donc là, pour le coup, ça me dérange vraiment pas trop. Ça me dérange vraiment pas trop. Voire même, on peut essayer de mettre la salle du scanner par là-bas. On va même mettre
Pour toi, ça sera pas chiant? Pourquoi? Pourquoi ça serait chiant? Pourquoi est-ce que ça serait chiant? On a amplement de quoi passer en dessous. On a amplement de quoi venir ici. Donc on est bon, hein? On est bon, hein? Non, franchement, je trouve qu'on est bien, hein? Je trouve qu'on est très bien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Salle de scanner. Ici, on a dit que c'était pas possible. Parce que Jackie bloque. Par contre, on peut peut-être faire. Non, tac. Ça. Quoique non, parce que j'aime le roleplay de pouvoir rentrer dedans en passant par une écoutille souterraine. Donc là on est d'accord que c'est pas possible. Et là c'est pas possible parce que. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible ici? Ouais, mais attends, je respire, je respire, je respire, je respire. Je vais manger, je lurk, et le scan c'est mieux là où tu l'avais mis pour la sortie des cams. J'utilise jamais spécialement les cams, mais c'est pas très important. En vrai. Tu fais balader 2 mètres de plus. Tu peux rentrer par ta moonpole. Alors c'est vrai. En soi c'est vrai, mais j'aime bien rajouter une écoutille pour le roleplay. J'aime bien rajouter une écoutille pour le roleplay. Je préfère. Ah, mais parce que je vais être au-dessus de ça. Né. Et si du coup je mets un truc comme ça, admettons, juste pour le pif, je vois pas pourquoi ça marcherait, hein, à mon avis, voilà, ça va toujours coincer avec le plafond. Alors que pourtant on est pas mal. Mais ici je peux. Ah! 30 seconds of oxygen remaining. On peut faire ça comme ça, hein. On peut faire ça comme ça, hein. On peut faire ça comme ça. Alors, on va respirer un coup. Oui, je sais, je sais, je sais. Calme-toi, Jackie. Qu'il se calme, hein. Il faut qu'il se calme. Voilà, parfait. Tac. Je disais donc. On vient mettre. Tac. Un coup de là. On vient mettre ça ici. Et on vient mettre ça ici. Et là, on est bien. Et là, on est bien. Et pour l'entrée, on la fera là-bas. L'entrée par l'écoutille, on la fera là-bas. Parce que j'aime bien avoir une entrée par l'écoutille. J'aime bien avoir toujours une entrée par l'écoutille. Vraiment, c'est. Je trouve que c'est logique. Et donc, on va la mettre ici. On va la mettre ici. Et je me demande même si je vais pas faire avancer un tunnel jusque-là et mettre un observatoire. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait grave bien. Alors attendez. Boisson. Voilà. Tac. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Excusez-moi. Bon, pour l'énergie, je sais toujours pas comment est-ce qu'on va se débrouiller. On va trouver un truc, hein, mais. Géothermal, je pense vraiment que c'est pas foufou. Géothermal, je pense vraiment que c'est pas foufou. Pas ici. Que 30 degrés, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. C'est par là. Je pense que c'est pas exceptionnel pour le coup géothermal avec 30 degrés. Après, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des relais. On peut faire des relais d'énergie. Et je ne sais pas si on peut faire des relais d'énergie entre plusieurs bases, tiens. Est-ce qu'on peut faire des relais d'énergie entre plusieurs bases? Genre, on a une base qui produit l'énergie et qui alimente toutes les autres. Est-ce que c'est possible ça? Si vous avez la réponse, je suis preneur. Si vous avez la réponse, je suis preneur pour le coup. Oui, on peut. Ah!
Ah, alors peut-être qu'on fera une petite connexion entre toutes les bases et qu'on n'aura qu'un seul endroit qui produit de l'énergie. Welcome aboard, Captain. On peut faire ça. On peut faire ça. Et ça, c'est bien. Je pense que c'est une bonne idée. On va partir sur ça. Du coup, il faut regarder un truc. Il me manque des choses. Minerai de cuivre, or, corail plat. Minerai de cuivre x2, or et corail plat. Minerai de cuivre, or, corail plat, zubi. Non, je suis pas au bon endroit. Pop, 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 minerai de cuivre. Corail, il me semble qu'on n'en a pas en stock, j'ai un doute, mais. Mais, il me semble que non. Hein. Non, on n'en a pas. Bon, faut aller choper du corail. Faut aller choper du corail. Normalement, il y en a souvent un là-dedans. Je voudrais du corail. Du corail. Donne-moi mon petit corail. Alors, il y a des œufs, c'est bien. C'est pas ce que je veux. Allez, un petit corail. Ah bah là, tiens. Hop là. Parfait. Allez, et on retourne dans la base. Et on retourne dans la base. C'est moi ou il y a quelqu'un qui m'a poursuivi Ah oui! Il y a quelqu'un qui me collait au cul. Ça s'est bien passé, vous avez vu? On l'a pas vu. Pourtant, il était là. Pourtant, il était là. Et genre, bien là en plus, hein. Mais écoutez, ça passe, hein, ça passe. Non, c'est pas ça que je vais regarder. Donc, ça, c'est bon. Je vais manger, je lurk. Eh ben, bon lurk. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, peut-être à plus tard. Kit de câblage avancé. Kit de câblage avancé. Il me semble que c'est chiant. Du genre, ça demande des échantillons de corail plat. On va aller choper du corail en vrai. Hein. On va aller choper du corail. C'est un peu relou. Table de corail. Puis comme ça sera plus rapide. On va en choper pas mal. Puis on sera bon. Et on sera bon. Hop. Allez. Dis-moi où est-ce qu'il y en a. Hop là. Ici. Ah oui, on l'avait vu celui-là, on n'arrivait pas à le récupérer. Ah ouais. Hein. Ah. Non, on n'y arrivera pas. D'accord qu'on n'y arrivera pas. Hein. Ouais, non. Non, 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 ça a l'air d'être un gros zombie. Putain, la baleine m'a fait flipper, la con de ta mère. La baleine m'a fait flipper. La putain de baleine m'a fait flipper. J'ai vraiment cru que c'était pas une baleine. J'ai cru que c'était une bestiole bien plus agressive. J'ai flippé ma race. Oh bordel de. Oh là là, quel enfer. Ah d'accord, toi t'es bien dans le mur aussi. Ah. Oh. On se calme? Suffit, hein. Non, mais. Je vois le monsieur tout colère là, hein. Bah, vous vous calmez. On voit pas de gens colériques ici. Non, non, non. Par ici. Hop là. On prend du corail. Très bien. Hop là, on vient par ici, on prend du corail. Hop là. Il y a moyen de replanter le corail d'ailleurs, tiens. Question con, s'il en est. Mais genre, on peut planter le corail pour
pour les bacs, par exemple, pour le mettre à pousser dans les bacs. Est-ce que c'est possible, ça? Ah. J'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé. Et soudain, je me dis que c'est con. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Je vais tester. Je sais pas si on a un bac, par contre, qui est disponible. Je sais pas du tout si on a un bac qui est disponible. Hop là, viens là. Est-ce qu'il y a un bac? Oui, là, en soi. Non. Ça m'aurait semblé étonnant, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Bon, alors, on vient ici. On a besoin d'argent. Hop, hop. On a besoin d'un fil de cuivre. C'est ici que j'ai rangé le cuivre. Ok. On va aller désactiver le HUD, hein, parce que c'est un peu relou. Alors, fil de cuivre. Câblage avancé. Circuit intégré. Kit de câblage avancé. Voilà, très bien. Je vais aller désactiver ça là-bas parce que ça va me saouler. Ça va me saouler. Hop, 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 hop. Bonjour. Ça suffit. Ça suffit. On n'en veut pas. Donc, nous disions... Ça, on a ce qu'il faut pour le finir. Mais non, parce que du coup, j'ai consommé l'or. Quel relou. Quel foutu relou. Hop là. Donc, voilà. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Je peux le finir. Ça, il me faut du plomb. J'ai pas récupéré du plomb. Il faudra que j'en trouve. Ça, on a ce qu'il faut. Ça, il nous faut du quartz. Est-ce qu'il y a du quartz qui traîne? Tiens, d'ailleurs, on va récupérer ça. Il me faut un morceau de quartz, s'il vous plaît. Un seul morceau de quartz, c'est tout ce que je demande. Un petit morceau de quartz. Et ben voilà, parfait. Et ici, on va venir récupérer le titane. Hop là. On en a plus besoin, donc paf. Ici, on va prendre le titane. Et normalement, on est plutôt... pas trop mal. Je vais déposer hop hop, voilà ça, ça. Je vais récupérer du titane. Là-dedans, il n'y en a plus. Ici, il y en a plein. Et on est bon. C'est reparti. On va continuer à construire notre base. D'ailleurs, comment est-ce qu'on va... Ouais, on va l'appeler tendue, celle-là. Hein. Celle qu'on est en train de faire, je pense qu'on va l'appeler la base tendue. D'ailleurs, tendue, tu veux quoi comme couleur pour ta base? Tu veux qu'elle ait quoi comme thème coloré? Tout rose? Ah oui, genre violence. Ok. Pour de vrai, hein. Si tu me dis tout rose, je vais vraiment la faire tout rose. Hein. Je sais pas si t'aimes le rose ou pas. Donc, je sais pas si c'est pour du troll. Parce que parfois les gens veulent faire du troll. Donc, mais moi, en vrai, je m'en fous. Hein. Tu me dis tout rose, ça sera tout rose. Hein. Puis un rose comment? Flashy ou pas flashy? Un truc plutôt sombre pour aller avec les cristaux. Les cristaux sont un peu rouges plutôt que rose, non? Hop, 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 hop. Voilà, par là. Et bonjour, nous revoici. Hop là. Alors ça, on le finit. Non, il me manque le plomb. Il me manque ce foutu morceau de plomb. Hop là, ça c'est fait. Ça, il nous manque le morceau de plomb de l'enfer. Ah! On est déjà sur du dégât. Allez, bien. Bien, bien, bien. Tac. Bon, je l'avais prévu, hein, donc... En vrai, voilà, on le savait. Et nous le savions.
Respire. On va respirer. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Alors, non, pas tout à fait comme ça, un peu décalé. Parce que du coup, là, on va venir faire un coude. Tac. Là, on va venir faire un observatoire. Et là, on va venir faire une sortie. Ah, et il manque du titane. Ce que je veux dire, et du coup, il va y avoir l'écoutille ici. Mais, on manque de titane. On manque de titane. Mais bon, déjà, on n'est pas trop mal, là. On a presque fini la base au niveau plan. On aura juste plus qu'à la relier à l'énergie. Et c'est tout. Et c'est tout. Ce qui veut quand même dire qu'à un moment donné, il va falloir s'occuper de gérer la prod d'énergie. Tout de même. Tout de même. Alors, vous savez quoi? On a énormément de morceaux de débris ici. Ça fait du titane. Ça fait du titane, tout ça. Qui c'est qui gueule? C'est toi, Jackie? Arrête de gueuler, hein. C'est chiant, hein. Tu te calmes, tu te calmes. T'es où, Jackie? Non, parce que tu t'es excité là, mais t'es où? Je sais pas où il est, il s'est excité contre un truc. Ma foi, pourquoi pas, hein, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va aller de nouveau se poser. La coupure VOD, ça fait à peu près une heure. En plus, là, on est parti sur une phase un peu farm, construction de base. C'est ce que j'avais annoncé hier, hein. De toute façon, je l'avais dit. Les gars, demain, on va farmer, on va construire des bases. C'est ce qu'on va faire. Donc, je pense que quand on va couper cette VOD, on va pas relancer de VOD tout de suite. Je vais continuer à stream, évidemment. Bien sûr. Mais c'est juste que ça sera hors live, en fait, tout simplement. Parce que j'ai envie de prendre mon temps, construire des trucs. Ça va pas être super intéressant parce qu'on va pas faire l'exploration, concrètement. Mais on va construire. Oula, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai eu une petite poussière dans le nez. L'énergie remonte ici, très bien. Tac, on vient là, on vient là. On vient faire les débris métalliques. Joker Fall, c'est l'heure de la pub. On va mettre, c'est l'heure de la pub. Déjà, on va crafter tout ça. Tac, tac, allez. Parfait. Question existentielle, s'il en est. Il faut quoi pour crafter un crafter? Oui, mais on n'aura pas l'énergie. Ça, il faut de l'or et du titane. Pour faire le transmetteur de puissance. Non. Attendez, il faut que je passe par là. C'est vrai, il faut que je passe par ce menu-là. Ok. Ok. Alors, on cherche. Ouais, c'est toujours pas débloqué le réservoir de meilleure qualité. Fait chier. Ok, fait disparaître tout ça, on en a pas besoin, c'est bon. Ce qu'on va vouloir, c'est ça, tu l'épingles, ça, tu l'épingles. Parce qu'on va en avoir besoin. Ça, tu l'épingles. Après. Ouais, si, en vrai, si, je vais l'épingler. Je vais l'épingler. Bon, ça, c'est que du vert. En soi, c'est un peu obvious. Et en vrai, on est bon. Après, je peux toujours mettre ça de côté pour voir les trucs à craft. Ouais. Mais j'en ai pas vraiment besoin. C'est un peu les seuls trucs qu'on va vraiment avoir besoin, c'est ça.
Et ça ira très bien. On a récupéré de l'eau qu'on va boire tout de suite. Tap tap tap. Je suis en train d'aller où? Oui, je retourne à l'eau. J'ai récupéré pas mal de craft, donc on est bon. Voilà. Et c'est parti. C'est parti. N'empêche, ça devrait être vachement dur pour le personnage du 1 d'être seul en permanence. De grands couloirs vides, un océan silencieux. Bah oui. C'est sûr que là, t'as ton petit alien qui est là, qui fait coucou. Qui du coup fait que bon, bah, ça se passe mieux. Mais même là, en vrai, tu restes quand même relativement seul. Mais après, ça change tout le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler. Quand bien même c'est juste un alien qui vient squatter ta tête, c'est vrai que ça change tout. C'est obligé. C'est obligé. Le 1, non seulement t'es tout seul, mais en plus t'as un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le 2, tu as choisi d'être là. Tu as choisi d'être là. Tu ne sais pas si tu vas réussir à quitter la planète. Bon, tu sais que tu tombes malade assez rapidement et ainsi de suite, mais t'es vraiment dans l'abandon le plus total à tous les niveaux. Non seulement t'es tout seul, mais en plus de ça, tu sais que tu vas peut-être mourir, que personne ne sait trop que tu es là et que tu es échoué là. Tu sais qu'il n'y a pas de système de secours ou quoi que ce soit. Enfin, t'as vraiment un gros côté. Et en plus de ça, t'as vu la mortalité de près, puisque t'as vu tous les gens autour de toi mourir. Tu as vu tous les gens autour de toi mourir, en fait. Mourir de s'être fait bouffer le cul par les Léviathans et ainsi de suite, ou d'exploser dans la destruction du vaisseau. Enfin, vraiment, tu vois qu'il y a un gros côté très, très vénère au final. Très, très, très vénère. Beaucoup plus que là où t'as choisi de venir, que tu vois des traces humaines un peu partout, que bah, du coup, c'est moins. C'est étonnamment moins agressif. On est bon partout, hein. Ouais, j'ai plus qu'à rentrer dedans et à vider. Bonjour. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, 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 je vais ressortir, hein. On ne veut pas. On va pas se suicider, parce que de toute façon il n'y a pas d'oxygène, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Où est le vaisseau? T'es là. Voilà, tout va bien. Puis il y a d'autres humains sur place, genre pas crédit. Oui, c'est ça, en plus de ça, c'est vrai que dans le 2, techniquement tu communiques pas vraiment avec elle, mais tu as Marguerite qui est là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans le 1, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment, vraiment pas le cas du tout. Hop là. Il y a encore des fuites ou c'est bon? Voilà, parfait. Parfait. Paye tes années de thérapie rentrant. Ah bah ouais, non, mais dans le 1, tu... Ta mère. La couleur et le nom. Ah si, on va quand même faire le nom de la base tendue. Par contre, les couleurs, je suis désolé, j'ai besoin de respirer. Sorry. Sorry, but not sorry. Respire, Lucky. Voilà. Tac. Et on retourne. On a dit base rose. Alors attends. On va dire par là du coup. Voilà. Et le nom. Mais non, crétin. Le nom, on le veut en jaune, on a dit. Cours, 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 cours. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de respirer, tu as besoin de respirer. Ah non, c'est comment c'est écrit? Oh bah si, ça passe bien.
Ça passe bien. Attends. Oui, non, c'est là-dessus que je veux changer. Mais ça, du coup, je vais le laisser en noir. En noir, ça sera beaucoup plus clair. Ça sera beaucoup plus lisible. Ça fait plus violet que rose. Ça fait plus violet que rose. Je ne suis pas fort doué. Je ne suis pas fort doué du tout. Non, hein. Je crois que je ne sais pas faire de rose. Hein. Bon, violet rose. Rose violet. Ça passe. Ça passe. Ah, voilà, on respire. Ouh. Tout va bien. Tout va bien. Donc, passe tendue. Eh bien, écoutez, posez. Il faudra la finir avec du coup ici du plomb et là-bas du verre maillé et je sais plus quoi. Et on sera bon, et on sera bon. Ça sera une petite base bien sympatoche ici. Il faudra évidemment mettre les rajouts pour le scanner, tout ça pour bien détecter les choses. Le rose rend bien avec les lignes bleues. Pourtant, j'ai tout mis en rose, hein. J'ai tout mis, tout le code couleur, j'ai dit en rose et ça donne ça. Écoutez, ça me va très bien. Tu l'as pas faite sous Léviathan? Ah non, mais j'ai dit celle-là, je la fais ici, hein, je l'avais dit. Hein, je l'avais dit. Toujours est-il que du coup, petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour la VOD. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!